parti. Il nous faut un chocobo. On est reparti. Il nous faut un chocobo, mais je sais plus exactement où il faut aller. Et on est limité en temps avec le chocobo. Donc ça, c'est un problème. Je crois qu'il y a... Alors, je sais qu'il y a la grotte, là, en spirale. On n'a pas besoin d'y aller. Je crois que c'est à droite. Il y a un passage, là. On va voir où ça mène, exactement. Je sais qu'il y a une chasse où il faut passer par, par un passage. Ok. Ah, mais c'est pas là ? Ces mines appartiennent à l'Empire d'Arcadia. Si votre présence n'est pas durement motivée, vous pourriez de vous retirer. Okay. Ça marche. Ce qui est intéressant, je vais juste faire pause deux secondes parce qu'il y a le temps en fait qui... Bah attendez, je vais dans le menu, voilà. Comme ça on a toujours la musique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces gardes là. Et après quand on revient, ces gardes se sont fait défoncer en fait. Mais cet endroit en fait, on n'est pas vraiment censé passer devant. Comme ce que je fais, parce que moi je connais le, la zone et tout ça, donc j'utilise le chocobo. Mais en théorie, on n'est pas vraiment censé genre passer devant maintenant, c'est ça que je veux dire. Du coup, le fait qu'il se soit fait défoncer, ça a un peu moins d'impact. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un point de vue scénaristique. La jungle. Donc, nous, on doit aller où? Je me rappelle plus. À l'est de Kerwood. Donc oui, la jungle. Là, c'est la grotte. Là. On va aller voir la grotte. C'est pas de notre niveau encore. Mais, on va montrer ça. Donc ouais, ce passage-là, on n'est pas censé vraiment le faire maintenant. Et de, comme je dis, de voir des gardes et tout ça. Mais ça, ça aurait eu beaucoup plus d'impact, je pense, de voir genre un endroit extrêmement bien gardé. Puis après, plus tard, on les voit, ils sont tous fait défoncer, quoi. Et du coup, ça, ça impliquerait que ça s'est produit en fait récemment. Et c'est surtout ça le truc. Descend. Alors que, oui, normalement, si on va. Enfin, bref. Vous avez compris ce que je voulais dire. 25. Attendez. C'est bon? Ok, c'est bon. Voilà, hop, hop, hop. Ah, on peut faire sans mage, c'est pas très grave. Vu qu'on a l'Arsa. Alors, capturer, attaque. Capturer, attaque. Toi, tu vas nous faire voler et on va un peu te changer. On va te mettre en tant que mêlée. Avec les katana. Les katana. Qu'est-ce que t'as ? De base, ta vision. On peut lui mettre ça pour BMP. Ça sert à rien, point d'expérience. Grande efficacité, sort. Silence. Double les permis. Point d'expérience. Je sais que plus tard on va. Non, on s'en fout. Plus tard, on va avoir des accessoires pour augmenter la vitesse. La plupart du temps, c'est ce que je mets. 37. Ouais, non, mais ils vont nous défoncer, les machins. Non, non, mais c'est bon. Bien joué, Fran. Bien joué. Non, mais laissez tomber, on va pas... J'ai rien à vous montrer, en fait. Non, non, les machins, ils vont me massacrer la gueule, c'est rien. Je pensais pas que c'était aussi puissant en fait. Je pensais que c'était. Ouais, non, en fait, une dizaine de niveaux de plus. Non, en fin de compte, c'est normal. Je vais juste éclairer la zone en fait. C'est pour ça que je passe par là. Code de maille.
Côte de maille, c'est lourd ou c'est léger? Nickel. Ce code de maille, on en a déjà une, mais... Code de maille, c'est lourd, on en a trois maintenant. Comme j'ai dit, oui, alors on pourrait en mettre une sur Van, mais c'est pas vraiment l'optique pour moi. Fran avec un katana, elle est bien bien stylée, je trouve. Elle est plutôt stylée. Ils auraient pu même améliorer encore plus le gameplay, c'est genre avoir deux types d'armes par exemple. Parce qu'on a deux jobs, on est d'accord, par personnage. Et je me dis, c'est une occasion en or en fait. De mettre deux types d'armes. En même temps, je parle. Hein. Genre, par exemple, Fran, elle pourrait avoir. Là, non, bref. Fran, elle pourrait avoir, genre, à l'arc pour à distance et après. Après katana. Wow, I'm impressed, Bon. I got a good feeling. An alliance between Dalmasca and the Empire. Reason tells me 'tis the only course. We must avoid a wasting war with the Empire at all cost. Yet I fear I could not bear the shame, had I but the strength. A shame perhaps for me and for you. J'aime bien la texture de sa ceinture. But for hope. And you can just accept this, can you? After Vayne's ruse, I had abandoned hope for honor. Yet never did I forget my knightly vows. If I could protect but one person from war's horror, then I would bear any shame. I would bear it proudly. I could not defend my home. What is shame to me? My people hate the Empire. They will not accept this. There is hope. Right? Hope for a future where we can join hands as brothers. Larsa, please. This is serious. Oh, I'm sorry. Don't be Larsa. Somebody's got to put him in his place. Il dit des choses bien bâches hein, par rapport au fait que oui, peut-être qu'un jour on pourra faire allié avec oh, il y a Zargabaf. Et l'autre, je sais pas qui. Zargabaf, c'est celui à droite. Les juges, ils sont trop la place. The Senate may play at intrigue, but Lord Vayne is not one to be brought down easily. The entire military waits upon his orders, from the war council down to the rank and file. What better blade than he to strike down the enemies of the Empire? Your honor reminds me of Zet 2 years since. He too put his trust in Lord Vayne's strength, and what became of him? Gone without a trace since Nabudis. I will not hear you malign Judge Sect. He was a noble warrior. Or do you think his trust in Lord Vayne ill-placed? Vayne took two of his own brothers' lives. He is ruthless beyond contempt. Ruthless, you say? Would he were more so. He gives traitors no quarter, be they of his own blood. How fitting for one who would bear the burden of empire. But could we bear him? Zargabath, what of you? Surely you do not believe his brothers were traitors? So found his excellency, Lord Gramis. You would do well to mind your tongue, Drace. That matter is long past. Your honors. A summons. Lord Vayne has arrived at the palace. We come at once.
Lord Larsa has left for Baromises. He hopes to enlist the aid of the Grand Kiltius in stopping the insurgents. I doubt this will be enough to deter Ondor, but even a slight hindrance to his operations would be welcome. This will delay the Rosarian invasion, and we will have bought much-needed time to shore up our defenses. Just as His Excellency had hoped. No matter the result, I'm pleased with the young lord's progress. I can already see the stunned faces of those mud-witted senators. The fools think a child emperor's strings easy to pull from the shadows. But they will find that Lord Larsa is no puppet. Yes, the senators would be most pleased with a puppet for an emperor. Recall, Drace, how the Senate fears and despises Lord Vayne's ability? When they realize the truth, that Lord Larsa is no docile lamb to be shepherded, they will bare their teeth and devour him. You're right. I shall speak on this matter with His Excellency at once. Gabranth, it falls to us to protect Lord Larsa. Are we agreed? Aye. Cool cette cinématique. J'étais en train de parler de quoi? Ouais, Bash, quand il parlait du fait que machin, on peut faire ami avec Empire et tout ça, genre en regardant Larsa et Van et tout ça. Ouais, il est un peu obligé qu'ils ont 15 ans, les gosses. Évidemment qu'ils vont pas se faire la guerre. Où est-ce que je. Faut un peu être sérieux 5 minutes. Genre quand t'as un peuple qui. Crève de la dalle et ou alors qui est obligé de faire ce que l'Empire dit et tout ça, c'est pas la même chose. Donc ça me fait un peu marrer en fait dans le du fait que les enfants au final, parce que Larsa il est pas vieux, hein, on est d'accord, ont quasiment le même impact en fait qu'un adulte dans les histoires. C'est un peu étrange en fait. Alors, on a quoi? On a du 21, c'est faible à... Ah oui, mais du coup, on n'a pas d'AOE, là. C'est la merde. Ah, on va se débrouiller, hein, mais... Le fait de pas avoir d'AOE, c'est un peu... Céleros, c'est très bien, Céleros. C'est super. Mais... Il y a ça, et il y a aussi, oui, le fait des les juges sont vachement sympas dans FF12. Je trouve vraiment le... Ouais, ça fait très Star Wars, allez, oui, je suis d'accord. Mais les juges sont vachement intéressants et sympas, mais je trouve qu'ils sont pas assez développés. Et la pire insulte, j'ai envie de dire, à la limite, des juges, c'est que il y en a qui vont mourir... spoiler alert. Enfin, oui, ouais. Il va se passer des choses. On va pas tous les combattre en fait. Et ça c'est un peu triste. Je trouve. Je pense que le. Ils auraient pu être mieux développés. Les juges. Et je crois qu'on va pas on en combat pas tellement au final. En fait, même avec 5 monstres en même temps, ça se passe bien. Hein. Vu qu'il est très résistant, bâché et tout ça, et qu'on a l'heure, ça se passe super bien. Ah, putain, ceux, ils font très mal, par contre. Ils sont 39. On devrait pouvoir les tuer. Yeah, lenteur. Ok, bien joué. Là, ça s'est gardé par un mur. Ah oui, c'est là qu'on va devoir... Ah putain, il vient d'où lui? On va devoir après aller parler au lapin. Mais voilà, j'aurais bien voulu que les juges soient un peu mieux développés. Mal ça.
On va faire le tour, hein, c'est pour récupérer les coffres et tout ça. Nickel. Ah, ça y est. What is it? The jungle denies us our passage. What have we done? We? No. I. What's that mean? How are we supposed to get through that? Making an appearance? Come on, I'm talking over here. I thought you'd left for good. Hey! Our choices are few. Fran? Balthier! This is as much for you as it is me. Oh? You are ill at ease. The Nethersite troubles you. You've let your eyes betray your heart. Right. What are you doing? Soon you will learn. Bientôt tu vas apprendre à la fermer, Evan. Elle est occupée. Wow. We go to seek aid of the Viera who dwell ahead. I bet they'll be glad to see you after so long. I am unwelcome, an unsought guest in their wood. Alors, on peut... Bah, en fait, non, on n'a rien vraiment. Bref, que ce petit passage à découvrir, mais on va directement aller voir les... La race de Fran. On a un peu les dégâts qu'elle fait. Fran! Elle est dans la moyenne, on va dire. Très bien. Ce qui est pas mal, c'est que le bâton fasse lenteur, en fait. Ça, c'est cool. Ah, évidemment, comme d'habitude, ça risque de pas marcher sur la plupart des boss. Mais... Pour le moment, c'est sympathique. C'est là. Alors, ouais, il va y avoir encore des cinématiques et de la parlotte. C'est un peu chiant. Mais ça devrait être vite réglé. In the village ahead, you will find her, Mjern. Bring her to me. She will know why you call her. Chef, oui, chef. Une épée qui fait rien, une lance de foudre, on a une nouvelle arme à feu, arbalète on s'en fout, on a un bâton de foudre par contre, il nous en faudrait deux. Oh, on a encore plein de trucs nouveaux quoi. Ça je sais pas trop exactement ce que ça fait, genre annule l'influence du climat et du terrain sur les dégâts élémentaires, enfin oui je comprends la phrase évidemment, mais en pratique... Je sais pas. Pierre, guérison. Je suis bien tenté de prendre deux bâtons de foudre en fait. Le problème c'est que. On va peut-être y arriver en fait. On n'a pas vraiment tué grand chose depuis que on a fait des emplettes.
mal, pas mal. Deux bâtons de foudre, merci. Très bien. Pétageuse. Bof. Il y a la lance de foudre, ça peut être intéressant pour Baltier. Mais on peut faire 100 honnêtement. Là oui, bah on a du. On a encore du tout nouveau équipement. On va en prendre un. Ok, très bien. Merci. Nickel. Alors. Permis. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'on a pris? Merde, j'ai oublié. Oh là là, j'ai déjà oublié. Ouais, bâton de fou, oui, c'est ça. Les bâtons. Est-ce qu'on a les permis pour les bâtons? Armage noir. Bâton 3. Ouais, bâton 3, ok, foudre. Et toi, il te fout. Merde, ah, elle va pas l'avoir. Ah, t'es chier. Ah, merde alors. Putain, j'ai trop balancé des trucs à droite à gauche. Après, on aurait pu mettre un bâton de foudre. Enfin, non, le bâton de foudre, je crois, il a plus de magie. Ouais, il passe à 36. Oui, bah, du coup, on peut bloquer. Bon, on avance. Le village Derruit. Y a un mode pour ceux qui sont intéressés. On peut mettre à Fran exactement la même tenue que. Enfin, pas celle-là, mais celle-là qu'on est. Celle-là, là, la blanche, là. Genre ça, on peut mettre cette tenue-là sur Fran. Je sais plus du tout où il faut aller. Là. Attends, il y a quoi de ce côté? Il n'y a rien. C'est bon. Hey, Mjern lives here, doesn't she? We're here to see her. Elle fait un peu peur quand même. You will leave at once. Oh, doucement. It is not allowed for humans to walk on these grounds. We'll go as soon as we've seen Mjern. If you can find her. We're not leaving until you let us see her. Hmm. Eh ouais, on est des humains, nous. Hein. Casse-couille. Hein. We'll look for her ourselves. Oh, on va foutre le bordel dans ta forêt, t'inquiète. Tu veux pas nous aider? On va ramener un lance-flamme. I've heard the voice of the wood. She says Mjern is not in the village. Jote, where has she gone? Why do you ask? The wood tells us where she has gone. Or can you not hear her? You cannot.
Your ears are dull from hearing their harsh speech, I think. Viera, who have abandoned the wood, are Viera no longer. Mjörn, too, has left her embrace. And you forsake them in turn? It is the will of the village. Viera must live always with the wood. So is the green word, and so is our law. We'll let you worry about keeping your laws. Just do us a favor and stay out of our way. We'll find her ourselves. Je sais pas pourquoi Van, il est super agressif dans ce passage-là. Our sister has left the wood and gone west. She wanders warrens among men who hide themselves in clothes of cold iron. Thus to me has the wood spoken. The Viera may begin as part of the wood, but the wood is not the only end we may choose. The same words I heard 50 years ago. La joie. Ah, la joie, la famille, c'est la joie. Oh. Ici. Je sais plus si c'est là qu'on doit faire le tour de la forêt ou alors il faut revenir sur nos pas. Parce qu'elle parlait des hommes en armure là, oui, je crois que c'est ça. C'est où on était, où il y avait les gardes. Not bad, Van. Didn't think we'd get any information out of that one. So then, what was she saying about men in a warren? The henna magicite mines. Maybe that's what she meant. Ah, les mines de henna. Lie in Bancor, south of the Osmoan Plain. The entire region is a colony of the Arcadian Empire. There would be soldiers. Is that a problem? Let's move. Friend. Yes? I was wondering what Yote said, you know? About how you said the same thing 50 years ago? Your point? How old were you again? nice fun. Oh. Surprisingly rude. Try to grow up, please. Il y a des petits passages comme ça et c'est assez drôle. Alors, je trouve que ça reste assez comique. Alors, vas-y, c'est quoi ton âge du coup? Les mines de haine, j'avais oublié. C'est ça, c'est ce que gardaient les gardes. Enfin, les soldats. Du coup, on repart à Osmoan. Après, on prendra un mage pour aller plus vite. Extrêmement solide, hein, même sans mage. Enfin, sans mage DPS, c'est ça que je veux dire. Parce que l'Arsa, il fait pas de dégâts. Il fait. Il est juste là. Il est juste là pour le soin. Ah, voilà. Là, il y a les gardes maintenant. Une potion sur vous, les amis, gravement blessés. Lui donner une potion. Merci infiniment, nous sommes fait attaquer dans les mines de haine, nous n'avons pas réussi à fuir plus loin qu'ici. Nous avons posé le temps que mon ami se remet, vous désirez vous prêter notre chocobo en attendant.
Ça marche. Yes. Là, il nous apprend le système des empreintes. Mais vous voyez le fait de... Parce que moi, je connaissais déjà, en fait, l'endroit avec les empreintes et tout ça. Mais vous voyez que le fait, maintenant, de voir des soldats, en fait, avant il n'y en avait pas, c'est pas très impactant, en fait. Mais le fait d'être allé devant les grottes, là, et que c'était gardé et tout ça, et après, on a vu que, bah, du coup, voilà, ça... C'est plus impactant, c'est juste bête, c'est mal avancé du coup. Moi j'aurais bien voulu qu'on passe devant avec qu'on voit plein de gardes en premier. Parce que voilà, normalement, c'est pas vraiment l'endroit qu'on va découvrir. Je sais pas si c'est clair comment j'explique. Researchers from the Draclaw Laboratory. What were they doing here? Research. Aha. Alors, on va changer. Silence en deux, feu de liasse. Ah, le bâton est sympa. Le bâton de foudre là. Oh, on n'a pas récupéré. Maintenant que j'y vais, on n'a pas récupéré une deuxième magie 2. On n'a pas foudre 2. Yes, on a foudre 2. Du coup, tu vas me faire foudre 2. Foudre 2, c'est plus de dégâts. Non, n'absorbant pas la foudre. La vulnérable au feu. Feu 2. C'est pas mal comme ça. Si jamais ça absorbe foudre 2, elle fera ténèbre 1. Bon, ténèbre 1, ça commence à être un peu bas en dégâts, en fait. Je sais pas. Ça risque d'être un... Ouais, non, je sais pas. Ténèbres. C'est pas grave. De toute façon, elle va faire surtout feu, donc ça va. Les mines de haine. En fait, on devrait enlever ténèbres, on devrait mettre feu, foudre 2 et feu 2. Tout simplement. Elle fait de dégâts. 2600. Voilà. Pas mal, hein. C'est là. Et il y a une embuscade à un moment quand on ouvre des portes comme ça, où il y a plusieurs blobs là, truc gluant là. Qui tombe, je crois qu'il y en a 5 qui tombent d'un coup, et après il y en a quelques-uns en fait qui sont rajoutés. Et honnêtement, si vous faites pas des AOE, vous êtes tellement dans la merde. Voilà, il nous explique comment ça fonctionne. On s'en fout, je sais comment ça fonctionne. Vous appuyez sur la bleue, les portes bleues s'ouvrent, les portes rouges se ferment et vice versa. J'ai réussi à m'échapper, je sais pas comment, mais j'ai réussi. Faites attention, cette chose est encore au fond de la mine. Hop là, vous avez eu 120 MP. Elle était à 220, pardon. Elle était à 200 MP de base. C'est pas parce qu'elle a tué plusieurs personnes d'un coup, enfin plusieurs personnes, plusieurs ennemis. Du coup, elle récupère énormément d'MP. Pareil là.
quand, dès qu'elle tue deux ennemis, en fait, elle récupère plus d'MP que ce qu'elle consomme. Donc là, ça y est, on commence à arriver où, le moment où les mages deviennent un tout petit peu OP. En tout cas pour les monstres trash comme ça. Le moment où vous pouvez complètement farmer des grandes zones, faire des gros trains. Tout le monde a Céléros. Très bien. Voilà. Je suis pas sûr là. Même si c'est au niveau, le machin me défonce quoi. Ah, passage secret. Pour 273. Oh là là, vous faites exprès les gens. Nickel. Ah, quand ils se téléportent, ils sont. Bah ils esquivent quoi. Ça, ça absorbait l'électricité par exemple. Donc elle a fait ténèbres à la place. Tu peux venir sans déclencher le truc. C'est pour ça que c'est vachement bien, parce que vu que c'est des mages et on veut qu'on fasse des dégâts et tout ça, si on met genre attaque ennemi, encore une fois, hein, que ça spamme toujours la même magie, et que le... manque de chance, l'ennemi absorbe cette magie, on est dans la merde. Faut retourner dans le gambit, faut tout changer. Donc c'est pour ça de faire genre fou, enfin une magie extrêmement puissante sur un ennemi qui absorbe pas. Du coup c'est bien, parce que ça l'empêchera de faire cette magie si ça absorbe directement. C'est vraiment sympa ce système de faire comme ça les gambits. Casse-cou. Casse-cou, je crois que c'est un coup quand t'as cécité, je crois. Non, c'est quoi aveugle avec cette cité? Non, casse-cou, je sais plus. Yeah, bien joué. Perd des trains. Alors, on va tout droit. Ouah, il y a un dinosaure. Mange Rox. Qui est confus apparemment. Voilà. Il y a H qui s'est réveillé. H qui s'est réveillé. Ah, foudre de... Eh, tout le monde mort. Voilà. Alors, j'ai pas vu le coffre qui est à côté. C'est ouf. Donc
Okay, c'est que des portes rouges, ça marche. Donc on va devoir les activer, je crois bien. C'est un peu con que Acuité, ça nous dise donc les HP, les MP, c'est bien. Enfin non, les HP des monstres. La vulnérabilité et basta en fait. Genre ça nous met pas si ça absorbe, si c'est résistant. Je crois qu'il faut aller dans le bestiaire pour connaître tout ça. Donc ouais, c'est pas utile des masses non plus quoi. Ah bah c'est là. Très bien. Ah sans le feu 2, c'est la merde. Hein. Sans le feu 2, vous pleurez un tout petit peu quand même. Très maintenant, je crois qu'on doit faire un tour. Oh, vous avez vu H, les MP. Pourtant, on n'a pas reste. Hein. Elle avait 100 et quelques, je crois, 120, un truc comme ça. Elle est remontée à 239. Vu qu'elle a, elle a fait one shot des monstres là, qui étaient sensibles au feu. C'est abusé. C'est abusé ce moyen de faire ça. Mais encore une fois, voilà, vous pouvez le faire seulement si vous connaissez un peu quoi. Ah, attends, est-ce qu'on peut... Je vais retourner là vite fait, voir si on n'a pas débloqué des choses. Non, non, c'est bon, ferme. Je crois que je vais commencer à faire deux types de gambits. Un, ce sera que du soin. Et le deuxième, ce sera comme ça, là, avec des dégâts magiques. Bien sûr, Draclaw doit chercher de nouvelles sources d'or. Si les forces de résistance se mouvent, les riches veines de Magicite et Bujerba seront forever beyond their grasp. Bujerba. C'est elle. What is this mist? Bien. The stench of humes. The stench of power. What's wrong with her? Stay away! Power needy hume! J'aime bien ce passage. Tout petit côté un peu horreur comme ça là. Genre tout le monde s'est fait défoncer dans les mines, on sait pas ce qui se passe. J'aime bien ce petit côté. Ouais, faut que je fasse. Je le ferai à la fin de la vidéo ça. Mais faut faire deux sets là, on commence à avoir pas mal de magie. On a feu 2, foudre 2. On a d'autres trucs aussi que je voudrais mettre. Ah, donc on va changer ça après. C'est quoi les niveaux 26-26 Pong, pong. Capturer, voler. Yes.
crois que c'est combat de boss là peut-être ? Je sais pas. Ah ! Oui. Oui, le... c'est Tiamat ? Non, c'est pas Tiamat. Genre Mungand peut-être ? Je me rappelle plus. Ah, bonne musique. Tiamat, ouais, c'est ça. Ok, nickel. Et tourne-toi, Tiamat. Yeah, comme ça tu t'attaques pas les mages. Miroir, nous on a purge. Ah, attends, qu'est-ce qu'on peut faire ? Une action, ça m'étonnerait que ça marche. Inertie non plus. Verte. Arcane. Non, on n'a pas nécrose, c'est pas grave. Ah, il s'en sort bien, Van. Mais si on veut le rendre encore plus, on pourrait lui mettre ça. Comme j'ai dit, la main gauche. Tiens, mais c'est vrai qu'il tapait avec une dague nécrose, ouais, ça a pas l'air d'avoir marché. C'est marrant parce qu'il fait que miroir. Moi j'ai mis sur H qu'elle fasse purge, c'est pas mal. Du coup ça lui fait perdre du temps. Oh Tiamat, fais une attaque. Il fait tout le temps miroir ce con. C'est con Tiamat. Vas-y, ramène-toi, fais un truc. Souffle. Parade, yeah. Parade en fait, c'est plutôt esquive. Mais... Ah, il y a Battier qui fait capturer sans cesse. Oupsi, j'ai oublié ça. C'est ça tes dégâts, Baltier? Ah, mais attends, c'est peut-être parce que t'as des balles de merde. Enfin, t'as des balles d'eau, tout ça. Ouais, un peu mieux. Bon, après, là, le boss est en rouge, donc il est en danger. Donc, on fait quasiment plus de dégâts. Enfin, sauf H, évidemment. Quand on fait 120, elle fait 1200. Toujours ça, un petit détail hein, du mage, hein, évidemment. Bah c'était nickel. Ah, ces angles de ces mouvements de caméra, quand il y a ces animations, elles sont pourries quoi. Ça focus toujours sur une personne et encore on voit pas grand chose. Moi je veux voir tout le monde. Je veux voir tout le monde. Enfin bref. Bah ça va, on a défoncé Tiamat. Inside her. What was it? Is it you? Oh, you mean you. When the Hume soldiers came to the wood, the village took small heed of them. So long as the wood herself is safe from harm, the Viera give little care to goings on beyond her.
but in me, an uneasiness stirred. I had to discover why they had come. So you came here hoping to find something out and got yourself caught. You're as foolhardy as your sister. They took me then and set close beside me a stone. They said its mist would be drawn into me, that the Viera well suited this end. I saw the light coming from the stone, and then... We have seen this. On Leviathan, the mist released from the Dawn Shard drove me too into such a rage. She was taken not by the Dawn Shard. Manufactured Nethicite. Then that means... Panella, the stone I gave you, do you still carry it with you? Sure. It's right here. Oh, doucement. This is a thing more dangerous again than I had imagined. I should never have given it to you. Forgive me, I didn't know. I'd always thought of it as sort of a good luck charm. And even if it is dangerous, on Leviathan it kept us safe. Oh, c'est mignon, les enfants qui s'aiment. There is a place for all things, even danger such as this. I hope you're right about that. C'est un peu bête, je comprends pas vraiment pourquoi on a combattu Tiamat, genre un dragon, qu'est-ce qu'il foutait là déjà? Au lieu de la Viera en fait, qui est devenue folle. C'est un peu étrange quand on y réfléchit. Mais bon, Tiamat est cool. I heard the woods whispers. Take it. Lente's tear is a permission. Pass through the wood and leave. To other places go. Yay. Maintenant on peut passer les protections. I saw it when I left the village. Ivalice is changing. How can the Viera stand and do nothing at all? Ivalice is for the Humes. The wood alone is for us. But that is wrong. How can we just hide here in the trees when all the world outside is on the move? I too wish to live freely, to leave this wood. Do not do this. You must remain away from the Humes. Stay with the wood. Live together with the wood. This is your way. But Fran, my sister... I am no longer of you. I have discarded wood and village. I won my freedom. Yet my past has been cut away forever. No longer can my ears hear the green word. This solitude you want, Mierin? Sister. No, Mierin. Only one sister remains to you now. You must forget my existence. I am sorry to make you do this. She goes against the laws of the wood. I threw down these laws. It is better that I do this. Better I than one who must uphold these laws herself. Charles lui a dit ça pour éviter qu'elle se remette en danger, j'imagine. I have a request. Que c'est elle qui lui a demandé de le faire. Listen to the wood's voice for me. I fear she hates. Tu sais ce qu'on lui dit à la forêt. T'inquiète pas que si on arrive avec quelques lance-flammes et des bombes, on n'a plus faire grand-chose à la forêt. Ah, on est d'accord, on est d'accord. C'est comme quand ils disent que l'autre, elle disait que le monde change et tout ça. Et elle, elle dit que c'est le monde des humains, pas de nous. Enfin, pas d'eux. The wood longs for you, for the child gone from under her boughs.
A pleasant lie, that. Be cautious. The wood is jealous of the Humes who have taken you. Oh. I am as them now. Am I not? Goodbye, sister. Non, voilà, en disant que ils veulent pas interférer, machin. Ouais, mais bon, quand tu verras des soldats d'Arcadia qui débarquent avec des lance-flammes, enfin, tu feras plus, ouais, tu feras plus la même gueule, quoi. Peut-être que tu te diras, ah, peut-être qu'on aurait dû faire quelque chose avant que ça empire, quoi. Non. Donc voilà, ça me fait rire. Alors, on arrive à la fin de notre épisode. Et il reste à peu près une 5 minutes, parce qu'à chaque fois je veux faire des épisodes d'une heure pile. Donc du coup, on va mettre quelques points. Oh, boum, 500 HP plus. Je crois que c'est le plus gros. Hein. C'est le niveau 12. Je crois qu'il n'y a pas plus que 12. Il n'y a pas plus que 12. Lenteur, inertie. Ah oui, c'est vrai que oui, lui aussi il peut avoir ça. J'avais pas pris. Illusion, balance. Oui, ça peut aider de temps en temps si on n'a pas. Comment elle s'appelle? H. Stop, nécrose. Ah, mais nécrose, on l'a. C'est juste que je l'ai pas appris. J'ai oublié ça. Il y a concentration aussi. On s'en fout un peu. Bash, vu que c'est le tank, il se prend des coups. Il fait des coups physiques. Et de temps en temps, il va tuer des cibles. Mais c'est surtout, il va se prendre des baffes. Donc du coup, les MP, c'est pas vraiment un problème, quoi. Parce qu'à chaque fois, il va récupérer des MP en se faisant taper. Alors attends, du coup, on a... Illusion, balance, fournaise. On a regain aussi, qu'on peut prendre. Et ce que je cherche, c'est... B ou qu'est-ce que je cherche? Lenteur, inertie. Attends, lenteur, inertie. Ah non, non, peut-être qu'elle n'a pas nécrose. Miroir, inaction. Oui, elle a miroir. Morte, oui, mais ça c'est arcane. Vitalité, blanche, verte. Illusion, balance. C'est pas vraiment intéressant. C'était niveau 4, c'est ça, chronomancie. Gravité, célérité. Non, ça c'est temporel. Temporel 5, d'accord, nécrose. Ok, d'accord. C'est vachement élevé en fait. Je pensais que le mage rouge, il m'avait accès. Mais non. C'est pas grave, on a accès à... Ah oui, il y a Penelo, il faut qu'elle ait ça. On a accès à d'autres choses, donc c'est pas très grave. Pas besoin de balancer tous les... Bah, ça va faire une heure, honnêtement. Là, j'ai pas vraiment envie de... passer trop de temps à débloquer des choses. Surtout qu'on n'a pas vraiment des choses intéressantes, en fait. Je vais être honnête. Fran, on est déjà en avance sur les permis de... d'arc et d'armure. On va prendre celui-là. Après, je crois qu'on risque de trouver la Muramasa et la Masamune. Ah, Masamune, c'est plus loin. Je me rappelle où elle est. La Muramasa, je crois que... c'est pas si loin que ça. Donc on la prend.
très bien comme ça. Équipement. Bâton de foudre. Nickel. Ah, ça a pas changé son... Si. Si, on est d'accord qu'elle a fait un bond là, on a vu, j'ai pas fait attention. Ok, très bien. Par contre, t'es en train de me dire quoi ? Flèche. Ok, on est bon. Oui, le magasin. On fait un petit tour au magasin. On n'a pas d'argent. On a tué quelques trucs, mais je sais pas si ça donnait des objets chers. Pas vraiment. Ah! Ah si, ouh! Mal! Oh oui, 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 les curls. Ouais, les curls à notre niveau, c'est pas mal. Lance-torche. Flèche de feu, yes. Très bien. Et... empoisonné. Ouh, très bien, nickel, nickel. On a les, on a vraiment des bons trucs là. On va remettre Fran en tir. Alors attends, tu m'as... Ok, ça c'est nouveau. Merde. Empoisonné. C'est le meilleur arc qu'on ait. L'arc long, on l'avait déjà. On a Elphic. Là, on est à Loxley. Nickel. C'est quoi que j'entends? Un avion, peut-être un Canadair. Il fait chaud. En pleine nuit. Enfin après il y a des feux. C'est pas parce qu'il fait nuit qu'il n'y a pas de feu. Enfin bref. Parfait, on a récupéré des trucs sympas. Les flèches empoisonnées honnêtement c'est vachement sympa. Je crois que c'est le plus utile jusqu'à la fin pour ce qui est des arcs. On a eu un très bon arc là, c'est très bien. Elle va faire très mal, je suis content. On va lui enlever le gambit de vol. Nickel. Parfait. Ça se passe super bien. On a vraiment une facilité à tuer les trucs et tout ça pour le moment. Vous avez vu, on n'avait pas les attaques. On n'a pas les attaques spéciales. Ah oui, un mode que je veux regarder. C'est pour Van, comme j'avais expliqué là, le coup des sabres. Je vais voir ce que fait exactement le mode. Parce que honnêtement, si on peut jouer sans les attaques spéciales, personnellement, moi ça me dérange pas du tout de jouer sans les attaques spéciales. Donc si on peut avoir ça, les sabres, tous les sabres ninja sans passer par une seule attaque spéciale, je dis pas non. Bon après on va les récupérer à un moment ou à un autre, hein, mais bon c'est pour dire. C'est pas vraiment intéressant. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.